Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 16 au 22 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On va faire une minute de silence pendant que vous vous abonnez. Thank you so much. Alright, so voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? I just was giving a reading for my Scorpios, please, thank you. Can I please have a reading for my Scorpios? I just was giving a reading for my Scorpios, please. Thank you so much. Alright, so. Ouh, les scorpions. Oui, c'est un parasite dans vous. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais j'ai l'impression que vous admirez ici le courage d'une personne. Si vous êtes un homme et que vous avez ici affaire à une femme, il est probable que vous avez ici affaire à une femme qui est très dure de caractère. Je vois même ici une femme qui vient d'un pays en guerre ou qui vient d'un pays qui connaît la guerre. Excusez-moi, mais j'entends Côte d'Ivoire ou Ivory Coast. Ah non, parce que je vois ici de l'Ivoire, ok? Yeah. So. Yeah, so, c'est un parti dont vous voulez pouvoir que vous soyez ici attiré par quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire. Interesting. Pour une autre partie d'entre vous. Yeah. On est ici donc dans une situation où vous avez l'impression, je vois aussi ici quelqu'un qui est peut-être de la Côte d'Ivoire mais qui n'est pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a des drapeaux qui sont d'une différente couleur. Right? So pour moi, c'est un peu comme si la personne est immigrant, immigré, whatever. So. Oui, c'est une partie d'entre vous. On est donc ici dans une situation où vous admirez beaucoup le courage d'une personne. Si vous avez ici affaire à une femme qui est vraiment jeune, etc., vous vous dites ici que c'est une personne qui est capable de surmonter plein de défis. Vous avez l'impression que c'est une personne ici qui est capable de prendre la vie, par les cornes. Vous avez même ici l'impression que c'est ici quelqu'un qui n'a pas peur ou n'a pas honte d'affronter les difficultés de la vie. Je ne sais pas ce qui se passe avec les reins de cette personne, mais je vois ici quelqu'un qui a beaucoup de jus des reins ou quelqu'un qui danse beaucoup avec les reins parce que la ceinture qui est là pour moi, c'est ça, quoi. Yeah. Ou d'autres, si vous êtes ici un homme, si vous êtes ici une femme, peut-être que vous êtes attiré par un homme qui a ce genre de caractéristiques. Et on est ici dans une situation où vous admirez vraiment ici le courage d'une personne. La valeur d'une personne. On a ici quelqu'un qui est en train de vous montrer sa valeur. On a ici quelqu'un qui est en train de vous montrer sa force intérieure, sa force de caractère. Vous trouvez même que la force de caractère ici d'une personne est attirante. Vous trouvez ici que la force de caractère ici d'une personne est vraiment sexy. Hi, I'm just please give me more information. Just waiting, please. Thank you.
Je vois ici une personne qui a un teint clair ou encore quelqu'un qui est carrément blanc à soi. So, il est probable que nous soyons ici dans une relation mixte, un métis et une africaine, ou encore un blanc et une africaine. Oui, c'est un parti dans vous. Il est aussi probable que vous ne parlez pas ici à cette personne. Il n'y a pas de communication entre vous et cette personne. On a ici quelqu'un qui ne vous parle plus. On a ici quelqu'un qui a décidé d'attraper le taureau par les cornes et de ne plus communiquer avec vous. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un ici qui... Excusez-moi, mais je sais pas vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'on a ici quelqu'un qui a déjà fait face à la mort. C'est vraiment quelqu'un qui vient d'un pays de guerre. What the fuck? But... Vous avez cette personne qui ne vous parle plus. Il est probable que dans le passé, il y a eu ici une communication entre vous et cette personne, mais la communication était très, très rapide, très brève. Ça n'a pas avancé quelque part. Et aujourd'hui, cette personne ne vous parle plus. J'ai aussi l'impression que vous pensez que cette personne va vous écrire, ou peut-être que cette personne avait pour habitude de vous écrire successivement à chaque fois. Et aujourd'hui, silence radio, on a ici quelqu'un qui ne vous écrit pas. On a ici quelqu'un qui est même confortable à ne pas vous parler. Vous avez ici quelqu'un qui est carrément concentré sur autre chose, des choses beaucoup plus importantes. Pourquoi j'ai l'impression que cette personne est concentrée sur une situation qui a un rapport avec la guerre? Pour d'autres, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est journaliste, journalière. On a ici quelqu'un qui est journaliste, parce que je vois ici quelqu'un qui est en train d'essayer de faire des reportages ici. Qui sont en rapport avec une guerre? The fuck? Qui sont en rapport avec une guerre? Ou encore, c'est carrément quelqu'un. Je vois ici quelqu'un qui est un activiste. Je vois ici quelqu'un qui est activiste. Comment on dit activiste? Quelqu'un qui est activiste, donc c'est peut-être aussi une personne qui a son compte Facebook, Instagram, social media, et la personne n'arrête pas de parler, you know, pour dénoncer ici un régime politique. Mais c'est quelqu'un qui n'arrête pas de dénoncer un régime politique, quelqu'un qui n'arrête pas de parler d'un régime politique. Il est probable que vous ayez ici affaire à une femme ou à un homme qui est activiste, journaliste, dénoncer quelqu'un qui est en train de dénoncer ici peut-être un complot ou encore dénoncer des atrocités, something like that. Et la personne ne vous parle plus. Pour cette partie dont vous avez ici l'impression que cette personne ne vous aime plus. Ou encore, c'est cette personne-là qui a juste décidé d'abandonner la relation avec vous pour se concentrer sur autre chose. Et vous, vous vous sentez coincé parce que vous voulez être avec cette personne. Vous voulez passer du temps avec cette personne. Vous ne savez même pas vraiment comment faire pour approcher ici quelqu'un. Pour cette partie d'entre vous, depuis que quelqu'un ne vous parle plus, j'ai l'impression que vous aussi, vous n'êtes plus très bavard. Donc, si vous avez des amis, des gens qui vous écrivent ou des gens qui essayent de vous parler, vous n'avez pas envie de leur répondre, vous n'avez pas envie de parler à qui que ce soit parce que vous attendez le message de cette femme ou de cet homme en particulier. Vous êtes dans votre tête à vous demander ce qu'il fait, ce qu'elle fait, à vous demander si vous serez ici capable de revenir avec cette personne ou pas. À vous poser des questions. Je vois ici quelqu'un qui travaille dans la communication, dans la légalité, la politique, l'activisme, si c'est, moi je sais pas si c'est français. Mais je vois aussi ici quelqu'un qui est célibataire.
Donc, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est lion, verseau, balance et gémeaux. On a les sagittaires ici as well. Sagittaire ascendant. Ou encore bélier, right? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Et on se retrouve sur Vimeo pour la suite. Bisous, bye bye.